À la base, je voulais être infographe, donc complètement différent. Et le principe de « oui, il va y avoir ça, ça, ça comme étude », j'ai fait pas trop. Et en cherchant un petit peu, en me renseignant du coup à droite, à gauche, c'était il y a 5 ans, les compagnons du Tour de France. Et du coup, depuis, je suis dans le cursus du métier de l'ébénisterie. Pourquoi ce métier et qu'est-ce qui me passionne dedans? Je dirais c'est le principe de partir d'un arbre, d'une matière première complètement brute, et de réussir à en faire une œuvre d'art en soi. Les qualités pour être un bon ébéniste? De mon point de vue, je dirais que c'est être de la minutie, faut être rigoureux, faut avoir un petit esprit artistique, créatif évidemment. Le concours, d'un point de vue extérieur, du point de vue des caméras, et même le point de vue des candidats, c'est ça qui m'a donné envie de participer au concours, et aussi de vouloir se surpasser. Faut rester comme on est, faut rester fidèle à soi-même, dans le métier, dans ses ambitions, et puis y aller.